tenter de mettre le ballon dans le camp. Elle s'est rapidement jouée avec Mbami. Le petit centre et le coup de tête et le but. Oh, le but marqué à la 4e minute. Et devant un regard passif d'une défense qui n'a rien pu faire pour empêcher Zridi Tarek de monter plus haut. Et la joie des supporters du Mouloudia de l'Elma après cette ouverture du score à la 5e minute de jeu. Et cela fait 1-0. But de Zridi d'un coup de tête. Alors le centre était parfait. Et Zridi... Alors mille pardons. Et Zridi qui n'était pas marqué. Il était tout seul et il est monté tranquillement. Personne ne l'en a empêché. Pour le mid, il a de l'aide. Diaya qui passe. Et le penalty. Le penalty pour Bosz-Bouareridge. Alors les contestations. Et là vraiment, c'est vrai que là il n'y a rien à dire. Bersic tire Yaya qui tente de se retenir et tombe. Oui là, alors c'est vrai qu'il y a contestation, mais Yaya est quand même a été retenu par Koseïla Bersic. À l'entrée des 18 mètres, là, il n'y a rien à dire. Il lui tient le bras et Yaya s'échappe. Ah, il se concentre, il est jeune, il a pris la responsabilité de tirer le pénalty devant Ouslir. Ah, et l'occasion de revenir à la marque et Ouslir qui dévie le pénalty. Ah, je vous avais dit l'expérience de Ouslir sur cette action, Bouguera. Et c'est une faute de Bouguera sur Kadri Younes, je pense. Et Ouslir, là, qui fait l'essentiel du travail. Et alors, juste des deux côtés. Ouais. Et Alexi qui a tiré. Et l'arrêt parfait, on va dire, du gardien Ouslir Nassim. La joie. Le premier crochet, le deuxième et le ballon. Oh oui, inévitable. Enfin, indiscutable, pardon. Et le pénalty sifflé. Alors, le premier a été raté par Alexi. Eh bien, quelle sera la destinée de ce pénalty avec Fers Hamidi face à Benkhoudja? Les deux ne sont pas mauvais. Le meilleur buteur d'El Ulma, en l'occurrence le barbu que l'on a devant nous, Fers Hamidi, très concentré, il s'élance et il rate. Oh, le deuxième pénalty raté dans ce match. Mais au même endroit, et Hamidi fait comme Alexi, il envoie, il a tenté une panenka. Et regardez ce qu'il fait. Et il met le ballon, bon enfin c'est pas une panenka, mais il met le ballon hors du cadre. Ah, il s'en veut à mourir, l'occasion.